Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Lusty, joie Critadelle. Aujourd'hui, verrons-nous le boss de fin? J'en sais fiche trop rien, mais on va essayer. On va continuer avec toi. Toi, t'es mon perso. Enfin, je pense que c'est plutôt lui. Lui, il avait l'air cool aussi. Il fait quoi déjà? Mince. Ah, voilà. Tac. Qu'est-ce que tu fais, toi, déjà? Arme de charge nature. Plus de munitions. Ah. Viens, on va voir chez Marie. Maria, pardon. Alors, t'auras ça, ouais, plus de pub, on connaît. Ah, tu pourras te guérir mieux encore avec la nature. Plus de munitions. Oh, après une roulade, ça coûte plus cher. Enfin, la roulade coûte plus cher, mais après, tes armes de charge, t'as plus fort. Donc, tu seras basé sur les armes de charge. Ok. Tu peux bouffer ta vie pour lancer des grenades avec un perso qui va se soigner avec les armes de nature, ça peut être drôle. Enfin, c'est tout le monde qui est soigné avec les armes de nature, mais... Renforcer l'arme de base, ok. Ah, t'es vraiment basé sur la charge, quoi. D'accord. Ah ouais. Ok. T'as l'air drôle. Mais bon, pour l'instant, pour aller au bout, je pense que notre petite Alice... Ce sera très bien. Qu'est-ce qu'on t'avait équipé, Alice? Rappelle-moi. Ça. Non, ouais, ça, je vais pas le mettre. Les magasins qui coûtent moins cher, plus de PV et plus de portée, c'est ça? Ouais, ok. Très bien. Ça, il faudra absolument qu'on le chope. Hein. C'est au prochain niveau. Ok. Et ça, mais... c'est la vie, c'est la vie. Le truc, tu fais une roulade parfaite, tu récupères des boucliers, ça a l'air complètement ouf. Bon bref, allez, chope-moi de l'équipement pour commencer. Qu'est-ce qu'on a? Un bouclier en plus, ouais. Deux boucliers en plus, ouais, ouais. Tu prends 100 dégâts, mais t'as 60 PV en plus, c'est marrant ça. Et, petite relique, cube de glace, ok. Et bah... Allez, bouclier. En avant. C'est parti. On casse tout. Attends, équipe les choses. Plus de critique. J'ai déjà deux fusils à pompe, c'est cool ça. On va mettre ça sur l'arme de base plutôt. Nanana. Tac. Allez. C'est-à-dire comment ça? Ouais. Et on va, bah n'importe où. En avant! Baston! Yé yé. Allez, on juge. On n'oublie pas les perfects. Les perfects, les perfects. Attends, mais pour compter le nombre de saucisses. Il n'y en aura pas. Peut-être. Perdre des PV pour gagner de l'endurance. Perdre des PV pour gagner des PV max. Comme j'en ai moins, c'est pas inintéressant. Ouch. Youpi. Alors. Perfect ou rien. Non, c'est pas ce bouton là, c'est ce bouton là. Et c'est encore un fusil à pompe. Et on a un magasin, j'ai 100 balles. On n'y va pas donc, disais-je. Avant de rater mon saut. On va
brûlure, j'ai pas de brûlure. En fait, ça fait quoi ça? Oh, c'est pour les armes de glace. Il n'y a pas d'armes de glace. Bon, on se casse. Et go. Oula. Ya. Ya. Ah. Et non, Clem. Viens, on essaie d'améliorer notre fusil à pompe comme un ouf. Ça peut être drôle, non? Ah, je l'ai pas pris le truc qui permet de le faire, évidemment. Ça peut être drôle, bah oui, bah fallait le prendre du coup, patate. Ça a vraiment une portée pourrie, je crois. Ah non, bah garde tes sous. Je suis venu là pour quoi alors du coup? Pour rien? Oh. Oh. Bah pour gagner une salle, pour aller plus vite au boss. Allez, zou! Un petit Bessos. Ah bah un petit Bessos aussi. Pourquoi pas, hein. Un petit bisou, c'est mignon. Hi-ha. Ah ça, ça passe de portée, franchement. Hi. Ah mon perfect. Non. Oh merde. Ah non, une saucisse. Ça y est, voilà. Ah, ça aura pas duré longtemps. Hein. Si je prenne un dégât imprévu, et pan, la saucisse est partie. Zut. C'est pas le truc qu'on aime pas. Le truc qu'on aime pas, c'est un gantelet de chevalier, c'est ça hein. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Tout va bien. Et hop, le barbecue géant. Mais je ne peux pas organiser un barbecue géant. Arrêtez. Vous êtes malade. N'importe quoi. Bon, ouais, là, faut pas rater le Graal. Non, parce que soit on a deux moyens là d'avoir une vraie fin, je pense. Hein. Soit on... Ah, il faut tirer aussi, vu. Soit on retourne au boss qu'on avait fait avec le Graal. Soit on va à la fin qui a l'air d'être la fin normale. J'essaie de shooter le tonneau explosif, mais j'ai raté lamentablement. Bon. Mercredi, mercredi, ça marche ça? Non, non, tout le monde l'a entendu. Non, toi, tu n'es pas. Pas un fusil à pompe. Ah, t'as rien d'autre coffre en bas. Alors, on va par là, on s'en fout. Hop. Comme d'hab, je miserais bien sur les armes d'énergie, hein, ça nous a bien réussi jusqu'à maintenant. Ouah, comment j'ai topé cette mine! Aïe. Celle-là aussi, je l'ai bien topé avec mes pieds. C'est quoi ça? C'est un rifle? Oui! Ok. Attends, ne rate pas le Graal. Ok, c'est bon. Yeah. Yeah. Taper une barricade, toi. Tant mieux!
charge. Peu importe. Pardon. Ah. Pardon. Donc. Faut que je garde l'arme d'énergie. Faut pas que je perde une arme au pif. Je peux perdre 100 cristaux. Je peux perdre 35 PV, c'est pas grave. Ok. Donc ça, sur le moment, ça fait rien, c'est ça? Voilà, on sait pas à quoi ça sert. Ok. On a déjà vu un endroit où on pouvait l'utiliser. Enfin, l'échanger, je crois. Oui, donne-moi ton Graal, toi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tuer des ennemis? Ça devrait aller. Saleté de petit sorcier! Allez, fusil à pompe, hein. Si j'en prends plein, ça va commencer à taper fort, hein. Regarde les dégâts que ça fait. Mon arme de base, c'est pas mal. Pas mal du tout. Sur les boss, ça risque d'être un peu dangereux, mais... ça se tape juste plus fort, quoi. Et moi je me perds dans les menus. Bon, on va prendre ça. Boss! C'est le duo. Ok. Piou, piou. C'était loin de lui. Oh les dégâts! Oh, c'est la fête! T'as vu ça? Allez. Ah non, j'étais sûr qu'en restant près, il allait me mettre une à bout portant. Banana. Allez, finis-le. Oh les dégâts, c'est ouf. Ah ouais, faut pas passer trop près, hein. Et tu dis ça et tu vas te coller sur lui, quoi. Bon, c'est pas grave. Je sais plus ce que c'est ça. Ok. Zou. J'ai tout cassé mon flingue par contre. Ça c'est belle. Yeah. Oui, le téléporteur, on sent un peu là. Et ça, c'est un rifle aussi. Je me souviens plus ce que ça fait. Ces gars sont assez faibles. Mais c'est la tête chercheuse. On va tester vite fait. Ouais, ça a l'air sympa. Hein. Ah, il faut absolument que je mette un truc qui rajoute un point de dégâts, parce qu'en fait un point de dégâts ça fait beaucoup de pourcentage de dégâts en plus sur un flingue qui tape pas fort forcément. J'ai combien? 495, viens, on va améliorer des choses. Comme par exemple ça. Du coup. Les fusils à pompe, ça va jusqu'à 6. Les armes d'énergie, ça va jusqu'à 7. Et les rifles, ça va jusqu'à 6. Je peux avoir 9 flingues, donc tout ça, ça marche pas. Parce qu'on peut avoir qu'un type et qu'un élément. Donc, je pourrais avoir que des fusils à pompe d'énergie. Oui, mais bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans le jeu.
Sur quoi on va miser aujourd'hui? Alors peut-être pas trop sur les fusils à pompe après un certain stade, mais remarque, ça rajoute quand même beaucoup de dégâts, hein. On va tout réparer. On va peut-être bien s'améliorer ça. 8 dégâts seulement. D'accord. Les autres, c'est que des flingues de rang B. Après, ça faisait le taf, hein. Un point de dégâts en plus seulement. On va se mettre un niveau de ça. Et deux niveaux de ça si j'ai assez. Il m'en manque trois. Trop triste. Eh ben, tant pis. On changera nos modules avant le boss. Et tu vois, comme on utilise les fusils à pompe, en fait, je suis deg de pas avoir mis le truc qui me permet d'améliorer le flingue de base. Hein. Ça aurait été bien. Ah, dedans. Faut plus de perfect, mon bon Juju, si tu veux que ton perso gagne des niveaux. Ce qui est pas utile pour la partie en cours, bien sûr, mais. Ce qui est utile globalement pour la suite. Ce qui est utile pour la partie en cours, c'est que si tu fais un perfect, bah tu t'es pas fait toucher et donc tu perds pas de PV. Après, comme on a des boucliers, ça c'est pas un objectif en soi. Et alors, plus 20 de munitions, plus 1 de bouclier. Oui. Et pas de dégâts de pique, oui. Et le magasin alors que j'ai plus de thunes, non. Alors, ça c'est considéré comme des piques, tu penses? Ce serait un peu fumé, non, si c'était le cas. Gah! Il y a trop d'effets visuels à l'écran, hein. La plupart du temps on voit pas quoi. Approche globale que je fais au jeu ça. Il n'y a pas assez de contraste entre ce qui est dangereux et le reste. Bon ok, là les boulettes elles sont rouges et jaunes, bien flashy. Bon d'accord, celle-là ça va mais... C'est le jeu, il a fait exprès pour me donner tort, saleté. Ah, des familiers. J'ai pas la thune. Tristesse. Des foufous explosifs. Gah! Arme de mêlée. Ah. Ça fait toujours 10% de dégâts en moins, mais sinon, ça me fait une belle jambe. Sinon, un jour, j'aimerais bien des armes de glace parce qu'on a eu une relique là-dessus au début, mais bon. Le jeu n'a pas l'air de l'entendre de cette oreille. Que je devrais changer d'oreille, du coup. Yeah! J'ai rien à réparer, je crois. Non. Rien du tout. Et bah, tant pis. Ensuite. Impatient. Ha! J'ai pas eu à attendre l'ascenseur et je suis content. Un voile monochrome sur tout l'arrière-plan. Je sais pas si c'est vraiment l'arrière-plan. Là, l'arrière-plan, il est bien foncé là, mais c'est les autres choses là. Ce qui est à la base de ces plateformes là. Le premier arrière-plan, je sais pas comment dire. Le fond-fond, il est bien sombre, ça c'est bien. Mais il y a tellement de trucs devant que j'ai pas envie de voir en fait. Enfin, pas besoin de voir en tout cas. Encore loupé pour le perfect. Hein. Au passage, et de deux boucliers. Il faudra peut-être prendre un autre flingue en fait.
Ouais, ça tape mieux quand même. Hein. C'est toi là-haut. Dans la tourelle. Ah oh, merde. Ah oh, saucisse. Pif, pif. Yeah. Alors, de la vie dont j'ai pas besoin. Ça c'est des munitions, ça va. Faut juste pas prendre le truc qui nous fait taper plus fort de près et moins fort de loin. Parce que ça, c'est vraiment le pire objet du jeu. Sauf si on joue que des armes de mêlée. Et encore. C'est un compteur de saucisses? Ouais, il y a un compteur de saucisses maintenant. Je te dis 7 et demi encore. Ok, tout. Tout va mal. D'ailleurs, tout va bien, mais non, pas du tout. C'est quoi ça déjà? Ah ah! Faut que je mette ça sur le flingue de base. Hein. Ah! Je sais pas sur quoi je mettrai l'autre truc, mais. Zou. Je vais faire un live sans saucisse, ouais, mais... Eh, ça a raté au bout de 10 minutes. 10 longues, longues minutes, hein, tout de même. secondes, hein, quand même, hein. Tout ça, quoi. Et bien ton flingue de base en fait avec sa portée supplémentaire. Ah cool! Trop cool. Et mon juju là, faut que tu fasses du perfect pour récupérer des boucliers. Le problème c'est que mon petit fusil à pompe là, il m'oblige à rester pas si loin des ennemis si je veux faire des bons dégâts. Eh, tant qu'on perd pas de PV, qu'on ait un bouclier ou tous les boucliers, c'est pareil. Oh, j'aime bien cette arme, je crois. Yeah, yeah. Bon, on a plein de synergies différentes, ce qui veut dire qu'elles sont pas forcément très intéressantes, mais en même temps, normal, normal, ça va très bien avec fusil à pompe. Hein. Faudrait que je me débarrasse des trucs d'énergie pour prendre les normaux. De toute façon, c'est à partir de maintenant qu'il faut faire des choix. Donc toi, toi, et... Ce serait pas mal de garder les deux mitraillettes qui vont ensemble, hein. Faut que je me dérase. Ah, toi, tu me donnes des réductions de dégâts. Donc toi et toi. Le Rail Biter et l'Illumine. Vous êtes sur ma liste d'armes en trop. Ah, des trucs moody. Augmente les chances de trouver un collecteur. C'est quoi un collecteur? C'est toi? Non, je sais pas. Plus 10% de chance de critique? Oui. Alors, qu'est-ce que tu m'as donné en plus? Moins
20 munitions max, hein. C'est pas bon ça. Ils sont où les vilains? Gros vilain. Je sais pas s'ils m'ont déjà touché eux, mais ça a failli arriver. Hein. Oh, je la voyais pas. Je la voyais juste pas. Pénible, hein. Il y a pas un peu beaucoup là des roquettes. Ah, oh, puis l'aide à la visée qui me fait tirer à côté de la roquette. Yeah. Monsieur, essayez d'avoir une trajectoire logique, s'il vous plaît. À réparer, je crois. Ah, une autre arme de ville, incroyable. Void Ray. Pistolet de vide. Un dégât. C'est un trou noir. D'accord, ça mange les boulettes ennemies, ça a l'air bien. Tu peux refaire un roguelike IRL. Ça donne quoi un roguelike IRL? C'est la vie, non? La vie, c'est pas un roguelike. Ah non, parce que quand on... Ah bah si, la mort est permanente, bien sûr. Oula. Vous faites quoi, vous, déjà? Mais c'est moi ou je peux tirer que dans 8 directions? Ah non, c'est la visée automatique vraiment qui me met dedans, d'accord. Alors attends, ouais, l'un ou l'autre, ça m'amène au mec. Ouais. Pff, on va chier qui a n'importe quoi. Ah là là. Écoute, oui. Et si j'ai assez de thunes, oui, parce que ça c'est ce qui va nous aider dans les niveaux ultérieurs. Clairement. Okay. Ça c'était pas mal je crois hein, comme plein de mouvements. Okay. Bon stream sans saucisse bien sûr évidemment. Tu peux compter sur moi. C'est le stream 100% VG. Pas de saucisse aujourd'hui. Aucune charcuterie. Des petits bruits de fond, mais... Alors ça va, il s'entend pas. Ok. Alors attends. Mais c'est bon les saucisses, oui. Et pas quand je vous les lance dans les oreilles. Alors. Bon, ça, on s'en fiche. Qui eût cru que ce lichen serait mon meilleur flingue? Oh, la petite scie au fond, mais comment tu veux que je la vois? Oh, c'est saoulant. Un truc qui est beige, quoi. Je sais plus ce que ça fait, ça. Ah, ça y est, je sais. Ça m'est revenu. Je sais pas si tout touche hein, quand je reste par terre. Ah non. Ah, saucisse.
je suis bientôt à sec. Ah, mange des grenades. Non mais le jonglage entre les flingues dans ce jeu, c'est trop pénible. Hein. Faudrait vraiment qu'il fasse un truc pour ça, quoi. Je ne sais pas ce que c'est les chaussures miracles. Je veux dire qu'en plein combat, quand mon flingue est vide, il faut que je fasse un effort mental énorme pour choisir mon flingue, quoi. C'est pas du tout ce dont on a envie. En plein combat de boss, c'est trop relou. Trop relou. Bref. C'est quoi ça? Une arme divine? C'était aussi un rifle? Oh yeah! Oh yeah! Ah, mais c'est mon arme préférée ça! Ah hein! Si j'ai 3 armes de vide, j'ai 100% de dégâts critiques en plus, mais c'est ouf! C'est ouf! Ok. Bah peut-être que je me débarrasserai de toi parce que je pense pas réussir à avoir 3 armes de vide. En général, on en a 0. Mais bon, pour avoir. Hein. On va arriver au niveau relou. Je me demande si je passerai pas un peu à ce flingue-là. Peut-être à celui-là, il est pas mal aussi, remarque. Mais bon, en avant, en tout cas. On arrive au labo, donc on est content. Si on passe le labo, c'est-à-dire on arrive au 7ème niveau, c'est une bonne partie pour l'instant à mon petit niveau de critère. C'est quand même pas très longtemps qu'on joue au jeu. Faut avoir des objectifs simples. Le jeu trop simple si t'as certaines armes. Bah, le problème des armes c'est que tu peux pas les recharger, alors faut aussi des reliques qui permettent de les utiliser autant que tu veux quoi. Ce serait pas le reproche principal que j'aurais à faire au jeu, c'est plus la lecture moi qui me pose souci, tu vois. Le fond blanc avec les ennemis pas toujours foncés, c'est compliqué. Hein. Je trouve l'action très compliquée à lire par moment. Toi tu vas être une truc d'énergie. T'es un fusil à pompe, excellent. Excellent. Je crois que t'as un bon fusil à pompe en plus toi. On va tester ça. On va où? Y a pas de Graal à cette tâche. Faut améliorer 5 armes. Oh mince. Ah, mais je sais pas où y a une enclume alors. Ça t'as un fusil à pompe qui tire de loin. C'est bon ça. Ok. Gay. Vous êtes sous l'arme, monsieur. Non. Bon, ça va pas le faire cette arme pour ces monstres-là. Accessoirement. Tu peux tirer vers le bas, toi. Ah ouais. T'es comme ça. T'es sûr, chien. J'ai le truc contre les épines. Hein. Toi, t'es pas dangereux. Enfin, pas trop. Je suppose que tu fais des dégâts de contact quand même. Ok, la plupart des ennemis n'en font pas. Hein. À ma connaissance. Non. Non. Triste. Je crois que l'arme 6 sauteuse c'était. Ah, 6 circulaire c'était vraiment bien. Parce que. Comme ça transpire sur toutes ces petites baloches là qui balancent partout. C'était pas un souci. Oh, dans mes pieds direct, saleté! C'est des snipers les mecs dans le jeu. Attends, faut que je change de flingue, ce qui me prend à peu près 10 minutes. Ça aussi c'est mon gros reproche au jeu. Finesse. Changement d'arme, qu'est-ce que c'est fastidieux dans un jeu où t'as 9 flingues quoi. C'est pas bon ça.
Ça, c'est pas bon du tout, ça. Mais bon. Yeah. Encore une fois, faut pas tout comparer à Enter the Gungeon, mais... Gungeon, 6 ans avant, il l'avait capté que, en fait, tu peux pas demander aux joueurs de jongler entre 10 000 armes, quoi. Dans un jeu où l'action est frénétique. Et où les munitions sont très limitées. Yeah, yeah. Pas du combat, ça me va parce que c'est potentiellement des enclés, mais il me faut des ans. Je l'ai vu pourtant. Oh. Mes boucliers. Et puis le labo, ça devient vraiment dur. Et en termes de lecture, et parce que les ennemis sont vachement plus chauds. Ah vite, faut te tuer, toi. Yeah. Plein de cristaux. Ah bah avec ça, je dois avoir de quoi améliorer. Alors... Magasin. Ça donne envie, mais... Il me faut une enclé, moi. Et si je claque tout au magasin... C'est quoi, ça? Haine et discipline. Mitraillette, fusil à pompe. Une mitraillette, fusil à pompe, mais c'est ouf. Ah, ça, c'est le truc du... On s'en fiche. On va prendre ça. Et ouais, on va prendre ça, ça a l'air trop... Ah ouais, j'ai pas la place. Attends, bouge pas. C'est quoi qui est laser, là? C'est quoi les flingues divins, là? Et ça, ça va partir à la poubelle. C'est triste, hein. Ouais, je sais, c'est triste. Moi aussi, je suis triste. Crac. Ah, ça fait beaucoup d'argent. Yeah. Voilà. J'ai encore un fusil à pompe et je suis à donf. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. Balance, je ne sais toujours pas ce que c'est. Ok. Et ça, le plus 1 dégâts, franchement, c'est trop bien pour tous les fusils à pompe que j'ai, donc pourquoi pas. Et pour toi aussi, d'ailleurs. treize dégâts, ça fait. Ok, ok, mais j'ai une relique d'amélioration de brûlure et une relique d'amélioration de gel, donc c'est sûrement une bonne chose, je pense. Et balance, je sais pas si c'est la capacité de viser ou... J'ai aucune idée là, sur la balance, franchement. C'est le jeu qui enchaîne les rockshots, on n'a aucun répit. Non, moi non plus d'ailleurs. C'est quoi ça, c'est un triple saut? Non, c'est de la vitesse, ok. Ok, ok, ok. Go. Ah, les ennemis qui attaquent direct à chaque fois. Je me fais avoir. Hein. Tellement violent. Et ça aussi, hein. Isaac, c'est il y a 8 ans qu'ils avaient capté que quand tu rentres dans une salle, c'est pas gentil de mettre l'ennemi directement dans ta face. C'est qu'un petit temps de pause pour te laisser apprendre la situation, c'est bienvenu. Et bon, là, je ne parle que d'exemples dans le jeu roguelike. Hein. Et donc, il y a beaucoup de jeux qui l'avaient compris encore bien avant. Bref, arrête de râler. 20% de balance et 5% de chance de critique. Toi, t'es une machine à critique. Avec 100% de balance. Alors, le truc, c'est qu'il faut que j'améliore 5 flingues. Et donc, il faut que je prenne les pas chers. Toi, t'es beaucoup trop cher. C'est 112.
peux le faire 4 fois. Si j'avais 4 flingues, mais j'en ai pas 4. Ah, zut. C'est saoulant de faire ça sur des flingues dont j'ai rien à faire. Mais bon. C'est ma mission. Alors. Avec 140, je peux pas. Hein. $120 pour te réparer. Ah. Allez, répare-toi. Bah, t'es plus une thune. Oh là, je connais pas ce boss. Si, on l'a fait une fois. Je sais plus ce qu'il fait. Peu de chance qu'on le passe du coup. Mais on va essayer. D'accord. Ah. Ah. Mais une petite annonce avant ce genre d'attaque, non? Ça serait pas bienvenu aussi? Oh, ces trucs directs dans la face, qu'est-ce que c'est saoulant. C'est juste gratos, quoi. Ah bah, du coup, je me mets dedans. Je me mets dedans et je meurs. Ok. Bon, bah... Pff. Le problème, c'est que lui, c'est que la deuxième fois qu'on le voit et qu'il y a eu des semaines entre les deux fois où je l'ai vu, donc j'ai rien appris, quoi. J'ai rien appris. Eh ben, tant pis, je crois que j'ai pas gagné de niveau, donc j'ai pas de nouvelle amélioration non plus. Eh, c'est quoi ça, hein? C'est sympatoche, Critadel, mais ça a quand même de lourds défauts. Hein. Mais bon, on va tenir bon pour aller au bout. On va tenir bon pour aller au bout. Hey, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice. Joue à Critadel, j'espère que ça t'a plu, et je vous dis à très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.